fait un petit peu froid, hein. T'es sûre que tu vas pas mettre la capuche? Non. Allez, il fait froid. Et toi, tu veux mettre la capuche? Non. Qui c'est qui dit à qui? Moi. C'est qui la maman? C'est moi. Allez, non. On va chez le médecin, mon chat. Allez. Force que je dépense, gros joie devant la défense. C'est là qui force. Oui, 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 je prendrai dans ton corps ta maison. Je vais un tour sur calé au jour 25. C'est qui le prochain? C'est qui le prochain? Alors, regardez là-dessus. Que je dépense, gros joie devant la. Non, tu cours pas! Mon Dieu! Ça va mon chat? Oui, j'ai rien. T'as rien? Non. Attends, on va faire semblant, viens vite. Oh, c'est le Père Noël! Fais semblant que tu vas mal. Fais semblant vite. Ah! Oh! Fais semblant. Oh! Là! Ah, ma fille! Monsieur! Vous avez, tu vas bien? Tu vas bien, ma petite? Ma petite! Ma petite! Arrêtez! Elle s'est réveillée. Non, elle s'est pas réveillée. Non, tu t'es pas réveillée. Hein? Tu t'es pas réveillée? Non, elle s'est pas réveillée. La police. Ah, je vais appeler la police. Allez. Oh. On s'en fout de votre barbe. Tenez. Allez, appelez la police. Appelez la police. Elle respire, j'entends. Non, je vais appeler la police. Non, vous appelez pas la police. Donnez-moi ça. Tout ce que vous voulez pour elle. Je suis le Père Noël, la magie de Noël. Attends. Je ferai tout pour votre fille. Vous feriez tout? Tout. Donc réveillez-la. Alors, réveillez-la. Ramenez-nous chez nous alors. Vite. D'accord. Avec votre voiture pourrie. Oh, vous l'avez cassée. Allez-y. Oh. Je savais qu'il fallait prendre notre prénom. Il t'a dit qu'il ferait. Oh, ma fille. Ma fille. Allez, on arrive. Il s'est dit qu'il ferait tout pour nous. C'est pas grave. Il s'est dit qu'il ferait tout pour nous. Allez, vas-y, fais semblant. Oh, ma fille. Non, ça va pas du tout. Il faut vite aller à la maison. D'accord. Vous habitez où? On habite à côté, là. Ça. Là, allez-y, là, vite! Vous vous dépêchez! Vous voulez de l'aide? Non, c'est bon! Allez, t'es mal! Lève-toi! Bah, elle est morte ou quoi? Ah oui! Ah oui? Vous croyez quoi? Elle est pas morte, elle respire! Bon, super! Je vous ai ramené chez vous, j'espère que vous êtes contents! Ah non! Vous allez vous asseoir là! Quoi? Ah, vous voulez me donner un thé, mais ça c'est gentil! Non! Vous vous prenez pour qui? Vous venez d'écraser ma fille! Hein. Oh! Je l'ai pas écrasée! Hein. Si, vous l'avez écrasée! Oh! Ma chérie! C'est beau ici! C'est sympa! Chérie! C'est ouais! Bon, vous voulez quoi? T'as mal au dos? Aïe! La pauvre, ma pauvre petite fille. Ah, on va enlever un peu ça, tu pourras plus respirer. Elle veut quoi? Bon, vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous avez dans votre sac là? Qu'est-ce que vous avez dans votre sac? Allez, dites-moi ce que vous avez dans votre sac. Mais j'ai ramené des cadeaux. Eh ben, vous allez nous donner les cadeaux. Je peux pas, désolée. De quoi vous pouvez pas? Vous venez d'écraser ma fille! C'est des cadeaux pour d'autres enfants! Eh ben je vais appeler la police! Oh, franchement, vous faites des problèmes pour rien à Paris, hein. Elle va bien, votre fille! Non, elle va pas bien! Je vais vous ramener jusqu'à chez vous! Et alors, vous pensez que ça suffit? Oui. On peut écraser les gens dehors et après on peut les ramener chez eux? C'est votre faute! Vous étiez pas sur un passage piéton! Si! Si, là-bas, il y a des écoles, il faut faire attention en fait, monsieur. C'est pas parce que vous êtes le Père Noël qu'il ne faut pas faire attention. Je suis le Père Noël, oui. De base, il y a un traîneau, mais ils ont changé. Ils ont mis des voitures. Moi, je connais pas les voitures, je sais pas conduire. En plus, vous êtes là, vous avez fait
toute la route pour venir écraser ma fille. Elle aura des cadeaux à Noël. Alors donnez tout ce que vous avez là. Mais c'est pas les cadeaux qu'elle veut. Si, donnez tout. Sinon quoi? Sinon j'appelle la police. Vos enfants ils auront plus de cadeaux. Comme ça vous serez plus le Père Noël. Vous allez vous faire remplacer. Moi je connais vos règles. Une erreur et c'est fini. Ciao. Hein? Pleure. Voilà. Et dire pleure pas. Pleure pas. Oui, bien sûr. Allez, tenez. Vous êtes bien gentille. Mais là il est quelle heure? Je sais même pas l'heure. Je dois m'en aller. Quoi? Vous allez vous asseoir ici. Oui, vous allez vous asseoir ici, vous allez nous donner tous les cadeaux. Regarde ce que me fait ta mère. J'ai mal au doigt à côté de vous. Vous avez cassé mon doigt. C'est quoi, c'est quoi? Allez, tenez, tenez, tenez. Ma fille, voilà, tous les cadeaux du Père Noël, ils sont à toi. Vous avez quoi d'autre? Je me sens mieux là. J'ai repris mes cadeaux. Maman, il y a trop de cadeaux. Ah, trop bien. Vous avez quoi d'autre? Rien. Tu vas bien d'arnaquer le Père Noël. Vous savez quoi? Au Pôle Nord, on vous voit tous là, ce que vous faites. Non mais attendez. Il y aura tous les Pères Noël du monde à votre housse. Oui, on a bien vu, tout le monde a vu que vous avez écrasé ma fille. Ça arrive. Eh ben vous allez perdre votre job, je vous le dis. Vous allez faire quoi? Je vais vous en mettre une, ensuite deux, ensuite trois, ensuite quatre. Voilà ce que je vais faire. Ce que je vais faire, c'est de vous en mettre une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. D'accord, et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais couper votre barbe et je vais me faire des mèches blanches avec. Ah, vous avez déjà assez de cheveux blanches. Ah non, je crois pas, monsieur. Ah, c'est sûr. Ah non, je crois pas. Qu'est-ce que vous avez? C'est une ceinture Gucci? N'importe quoi. Ou c'est une ceinture Louis Vuitton? C'est une ceinture. Vous êtes malade, vous avez comme un Père Noël. Oui, c'est la mienne. Vous allez me la donner? Non. Si. Non. Si. Non. Allez vite, sinon j'appelle les flics. De toute façon, ils savent pas que je l'ai écrasé. Ils croient même pas au Père Noël. Normalement, ils croient même pas au Père Noël. Normalement, ça n'existe pas. D'accord. Allez. Donc, arrêtez. Donnez-moi ça. Donnez-moi. Aïe. Aïe. Vous me faites mal. Non, vous restez là. Aïe. Mais qu'est-ce qu'il est lourd. Attends. Mais non. Monsieur. Il respire plus. On jette dehors? On jette à la poubelle? Oh oui. Ah bah là, tu l'as vraiment tué là. Allez. On va le mettre à la poubelle qui est dehors. La grande poubelle, la grosse, parce qu'il est très 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 gros. Oh merde. Qu'est-ce qu'on a fait? La porte, ouvre la porte. Cacher toute trace du Père Noël, d'accord? Voilà. Tes cadeaux, tu vas les mettre dans ta chambre, tu les ouvres dans ta chambre et ensuite tu jettes tout, sauf les cadeaux, tu les gardes. Sinon tu jettes. Ah ouais, je vais pas jeter les cadeaux. Ouais. Et la ceinture, on va la mettre à vendre. À vendre sur, sur le bon coin. Ouais. On va gagner beaucoup d'argent. Allons, tu arrêtes un peu. Mais oui, je suis chez notre fille. Qu'est-ce qu'il y a? Mais oui. Là, je suis toute seule, là. Les enfants sont allés faire du poney, je ne sais quoi.
quelque chose qui coûte de l'argent et qui sert à rien, comme d'habitude. Hein. Ils font que ça, eux, de toute façon. Que des trucs, ça coûte de l'argent, ça sert à rien. Et ils font rien après. Non, non, ils font rien. On dirait Diana, elle va être... Diana, elle va être cavalière professionnelle, championnat du monde, de la France, de la monde entière, du 11e ciel. Elle sera rien du tout. Mais non. Eva, c'est pareil. Eva, oh, une fois je fais de la danse, une fois je fais ça, une fois je fais ça. Elle a rien fait au final. Et Negin, n'en parlons pas de Negin. Negin, on sait jamais où elle est. Elle est jamais à la maison, c'est pas ce qu'elle fait. Hein. Tout le temps en boîte de nuit, celle-là. Ah oui. Oh, je te jure, ils éduquent mal les enfants. Moi, je vais les éduquer, les enfants, là. Non, mais Negin, tu te rends compte qu'elle a quand même 21 ans et toujours célibataire. Sans mari. On se marie et on fait des enfants. Comme la bonne vieille époque. Je te jure. Ah là là, il faut qu'on les éduque, les enfants, hein. Il faut qu'on les éduque, hein. Regarde, moi, ma fille, notre fille, elle a des enfants. Elle sait pas éduquer ses enfants, elle est un peu débile. Mais elle, quand même, on l'a bien éduquée. Là, elle a des enfants. Là, qu'est-ce qu'elle a d'autre? Bon, elle a rien d'autre. Elle a un mari, au moins. Il faut avoir ça, au moins, dans la vie. C'est gratuit, ça. Ils font que des trucs payants. Bah, allez-y. Allez-y. Gaspillez votre argent. Allez-y. Il y a des trucs gratuits. Regarde pas à eux, hein. Bon, allez. Je te laisse travailler. C'est dommage que tu sois pas avec nous quand même, hein. Bon, allez. Travaille bien, mon chéri. Allez, à tout à l'heure. Ciao. Ciao. Qu'est-ce que c'est que ça? Les écrans, faut que j'arrête, moi, de toute façon. Et bon, ça toque, c'est peut-être le livreur, ça, tiens. Ah, tiens, c'est peut-être le livreur. Bon, allez. Oula! Oh, Merry Christmas! Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Vous me reconnaissez? Le Papa Noël? En chair et en os. Oh, bonjour, vous allez bien, Papa Noël? Ça va et vous, Maman Noël? Non, moi, je suis pas Maman Noël. Je rigole. Alors, aujourd'hui, je viens... Il n'y a pas les gosses? Non. Ferme la porte, s'il fait froid. Alors, aujourd'hui, je viens... Qui vous êtes? Je comprends Ils pas. Ils sont où, les enfants? Comment? Ils sont où, les enfants? J'entends pas. Ils sont où, les enfants? Ah, les enfants, ils sont au poney, là. Du poney, mais qui fait du poney? Eh ben, mais oui, c'est ce que je disais. Ouais. Eh oui. Franchement, c'est nul. Eh ben oui. Alors, du coup, ici, j'ai la famille Aipo. Est-ce que c'est ça? Eh oui, c'est ça, mais qu'est-ce que vous faites? C'est ça, super, il n'y a pas de souci. Il me faudrait votre signature, madame, si vous voulez. Vous êtes qui? La grand-mère, la mamie, la maman, la mère, le père, la grand-mère, la sommaire? Le sommaire, ici, la mamie. Allez-y, signez. Non, mais il faut m'expliquer d'abord. Moi, je donne pas mon signature comme ça. Hein. Allez-y, venez m'expliquer. Déjà, moi, donnez mon stylo, si vous ne signez pas. Alors, on va où? Asseyez-vous, je vous en prie. Asseyez-vous. Ho, 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 Merry Christmas. J'ai pas eu le temps de me raser aujourd'hui, donc c'est compliqué. Il est beau votre sapin, hein? Comment? Il est beau votre sapin! Ah, oui. Alors, qui a fait ce joli sapin? C'est incroyable. C'est moi. C'est moi, je l'ai fait toute seule. Vous n'êtes pas une thèse, vous? Vous croyez que je connais pas tous vos secrets? Que c'est le Père Noël, hein? Je sais que c'est pas vous qui avez fait le sapin. Ah, si, si. Je vous assure. Pourquoi vous me mentez? Et je m'en pas. Bon. C'est peut-être ma fille qui m'a aidé un peu, mais c'est moi qui ai fait surtout, hein. D'accord. Elle est nulle, elle. Oui. Ok, alors du coup, vous vous appelez comment, s'il vous plaît? Moi? Oui. Ben non, moi je m'appelle Jeannette. Jeannette. Vous aimez bien? Jeannette comme la Jeannette. Bon, je vous explique pourquoi je viens ici.
Bon, de base, il y a tout qui a changé. Alors, de base, je sais pas ce qu'elle a eu, Maman Noël, tout changé comme ça. Moi, de base, je viens par la cheminée, apparemment. Bon, ah. Ce qui est faux, parce que regardez, vous n'avez pas de cheminée. Bah, non. Donc, à un moment donné, je vais pas venir par le trou du cul de la Mère Noël. Hein. Donc, à un moment donné, on se demande par où je suis venue ici. Oui. Mais là, vous êtes rentrée par la porte quand même, hein. Est-ce que vous avez une cheminée? Non, mais c'est pour prévu, c'est prévu. Vous m'avez mis mon petit lait? Vous avez mis des cookies? Rien! Si, je les ai mis, mais après je les ai mangés parce que j'avais faim, c'est tout. D'accord. Alors, vous avez combien de petites filles? Il y a... Bon, Negin, la grosse vache, la grande, là, qui fait rien de sa vie. Ok. Ouais, Negin, 21 ans, youtubeuse, je connais. Oh, mais Kelmy, vous nous surveillez? Oh! Vous allez dégager de chez moi? Mais je vous surveille pas, madame. C'est juste que je suis le Père Noël. Comment vous croyez que j'ai votre adresse? C'est aussi le trou du cul de la Mère Noël qui me le donne? La deuxième. Vous êtes un espion? Oui, je viens de la mafia. Non mais. Réfléchissez un peu. Je suis le Père Noël, je suis gentil. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous ramène des cadeaux. Vous êtes sûr? C'est votre vraie marque, ça? Oui. Et vous, c'est vos vrais cheveux? Oui. 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 Tous les jours, vous avez les mêmes vêtements. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, moi aussi. La deuxième. C'est qui? Ah, la deuxième petite fille. Non, non, la deuxième Mère Noël. Bah oui. Bon, la deuxième. Comment elle s'appelle? C'est qui? De quoi, la deuxième qui la est? La deuxième, ma fille, là. Votre fille, votre petite fille. Ah, ma deuxième petite fille. Oui, allez. C'est Eva, la grosse vache qui fait rien de sa vie, elle. Ah oui, Eva, ok. Donc c'est celle qui a 14 ans et qui croit toujours au Père Noël. Elle, c'est la plus débile. Non, ouais. Elle a 13 ans. Hein. Elle a 13 ans. Ah, vous avez une faute? Je vous ai eu! Mais vous me prenez pour qui? Là, je suis la mamie, c'est moi qui connais mes petits-enfants, c'est pas vous, hein! Ok, donc Eva, 13 ans, aime la bouffe. Ah tout. Oui, c'est vraiment une grosse vache, par contre. D'accord. Vous êtes vu? Moi? Oui. Et moi et non. Avec vos sucettes, là, vos tétines sucettes, bref, je vous ai pas vu? Avec votre mari, arrêtez. J'ai pas de mari. Si vous avez un mari. Non, je suis célibataire. J'ai 25 ans. Non, je rigole, ça c'est pas vrai. Mais je suis vraiment célibataire. Ok, hein. Je m'en fous que vous soyez célibataire ou pas. Moi, j'ai la Mère Noël, elle me surveille. Donc faites attention, ma petite. Troisième. Dernière. Diana, la petite débile qui sert à rien. Voilà, Diana. Qui fait du poney en plus. Voilà, et qui... Mais je sais qui c'est, Diana. C'est celle que j'ai des lettres tous les jours d'elle. Les lutins, ils viennent me voir. Diana, Diana, Diana. J'en ai jusqu'à là. Arrêtez avec ces lettres. Oui. Je m'en fous de ces lettres. D'accord. Vous comprenez? D'accord. Ah. Ah. Pardon. Qu'est-ce que c'était? Rien. Oubliez ça tout de suite. 1, 2, 3. Alors. Du coup, ensuite. Du coup, qu'elle veut la Negin là? Mais franchement, je vous trouve un peu beau quoi. Écoutez. Non mais, écoutez. Moi... Je le sais ça, pourquoi vous me le dites? Oui mais, moi je vous trouve très charmant. Et voilà, moi si vous êtes mon mari, je suis contente, hein. D'accord, c'est bien. Vous me trouvez pas belle? Non. Non, arrêtez ça, c'est horrible. C'est horrible. Vous êtes gênante. Vous me gênez énormément. D'ailleurs, vous avez les mêmes lunettes que Mère Noël. Ah! Alors, vous aimez bien? Non, j'aime pas ces lunettes. Vous voulez pas quitter la Mère Noël un peu? Alors, vous habitez au Pôle Nord? Est-ce que vous m'aidez dans mes cadeaux? Vous moi, je peux venir. Vous faites rien, je vais même pas faire un Pôle Noël. Je suis disponible le lundi, mardi, mercredi. Je dois garder les enfants de ma fille. Jeudi. Elle veut quoi, Néguide? Vendredi. D'abord, faisons les cadeaux. Le quoi, Negin? Vite, parce que j'ai pas que ça à faire. Negin, alors. Negin, qu'est-ce que vous pourrez offrir à Negin? Déjà, elle, 21 ans, elle est toujours ici, elle habite ici. Elle va se trouver un mari, elle est chez elle. Ah bah voilà, tiens, voilà, vous avez raison. Eh ben, vous lui offrez un mari, comme ça elle se casse. Parce qu'on en a marre d'elle. Vous lui offrez un mari? Oui, un mari. Un mari comment? Faut qu'il soit comment, son mari? Parce que bon. Un mari, comme vous voulez. Le premier venu. Voilà, c'est un peu bête comme elle, hein. Voilà. Mais pas trop vieux, hein. Non. Son âge, c'est parfait. Son âge, à son mari, 52 ans maximum, hein. Max, ok.
S'il a 51 ans, c'est bon. Ok. Ensuite, Eva, je lui offre quoi? Eva, vous lui offrez un frigo, un gros frigo pour sa chambre. Oh, elle va être contente, hein? Ouais. Oula. Et Diana? Mais attendez, Negin, vous lui offrez pas que ça quand même. Je lui offre quoi d'autre? Je lui offre un mari, c'est celui qui va lui donner des enfants. Celui qui va lui tout lui donner. Oh. Vous lui offrez trois autres trucs. Dites-moi. Negin, vous lui offrez aussi un cerveau parce qu'elle a pas. Un gros cerveau. Oui, bon, c'est bon. Vous lui offrez aussi vous savez, le diplôme de chirurgien. Mais vous croyez que je suis magicien? Je suis juste Papa Noël, d'accord? Bah oui, vous faites de la magie de Noël. Negin, elle doit se trouver un bon travail. Ouais. Elle veut être chirurgien, alors allez-y. Mais elle veut être chirurgien, je m'en fous qu'elle veut être chirurgien. D'accord? Bah non! J'ai un chat dans la gorge en plus. Moi aussi. Vous menteuse. Vous faites tout pour être comme moi. Non. Si. Non. C'est quoi votre couleur préférée? 1, 2, 3. Rouge. Vous avez dit quoi? Rouge. Menteuse. Si, j'ai dit rouge. Rose. Non, j'ai dit rouge. Bon, c'est quoi votre repas préféré? 1, 2, 3. Les enfants. Pourquoi vous dites la même chose que moi? Je dis pas la même chose que vous. C'est quoi la chose que vous préférez le plus au monde? 1, 2, 3. Maman Noël. C'est bien, vous préférez Maman Noël. Oui, mais elle est moche un peu, je trouve. Oh, arrêtez. Moi, je trouve que je suis plus belle qu'elle. Hein. Faut pas jalouser, madame. Non, mais moi, je trouve que je suis plus... Ah ouais, vous me touchez l'épaule. Votre mari, vous allez voir, je vais pas aller le voir après. Mais j'ai pas de mari. Je connais votre adresse, qu'est-ce que vous me voulez? Non, j'ai pas de mari. Je connais votre adresse, mais je suis jamais venue parce que je m'en fous. Et comme vous, j'en ai vu plein, ok? Non, moi je suis pas comme tout le monde, hein. Ah bon, vous avez quoi de plus? Moi, déjà, je suis pas grosse. Vous êtes gros. Déjà, Maman Noël, elle est grosse. Maman Noël, elle est pas grosse. Si. Non. Si, vous êtes... Ouh, mais c'est des abdos. Vous avez des abdos? Non. Vous avez des abdominaux? Et pourquoi elle est dure comme ça, votre graisse? Mais pour Eva, les deux autres cadeaux, c'est quoi? Eva, donc un frigo parce que c'est une grosse vache. Vous lui offrez vous lui offrez le brevet des collèges parce qu'elle a peur de ça. Comme ça, vous lui offrez. D'accord, ok, ensuite. Le brevet des collèges, comme ça, elle l'aura. Parce que sinon, elle est trop bête, elle va pas l'avoir. Et vous pouvez lui offrir un diplôme de dentiste aussi pour plus tard. Pas être dentiste, la pauvre. C'est pas grave. Un psy pour enfants, qu'est-ce que vous voulez chercher? Oui, mais être dentiste, c'est moi qui décide. Vous, vous êtes quoi? Et moi? Moi, je suis quoi? Ouais. Moi, je suis quoi? Ouais. Et ben moi, je suis femme très forte. Vous faites quoi? Moi, je m'occupe de tout. Tout, tout. Ah bon? Oui. Oh mon dieu. Si. Quand j'étais plus jeune, j'étais cuisinière dans un restaurant de luxe. C'était dans le restaurant de la Tour Eiffel. Oui. Pour vous monter comme ça. Ah non? Vous avez une plus grosse voix que moi, faudrait se demander si vous êtes un homme ou une femme. Hein. C'est pas gentil! C'est vraiment pas gentil! Gna 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 gna. Et pour Diana? Et pour Diana, les deux autres cadeaux? Aïe! Et Diana? Pour Diana, vous lui offrez un gros cheval, là? Ouais. Et vous lui offrez, j'en sais rien, moi, qu'est-ce qu'elle aime, cette petite débile? Elle aime un lit deux places. Vous lui offrez un lit deux places. De fou, lit deux places, dans le cul de Maman Noël? Je le mets où? Mais le lit deux places en deux étages. Mais je le mets où, le lit? Eh ben, vous le mettez dans sa chambre! Mais pourquoi je vais réussir à le ramener? Oui!
Mais vous allez faire vous-même. Non. C'est la magie de Noël ou pas? Non, ça existe pas. Si, ça existe. Non. Et... vous avez quoi comme cadeau à Noël? Moi, j'ai eu cette année ou l'année d'avant? Mais est-ce que là, cette année, c'est passé? Non. Ben non, c'est pas passé. C'est pour ça que je vous demande. Ben du coup, l'année dernière. Et ben l'année dernière, j'ai eu. Parce que faut savoir que moi, je suis nouveau le Père Noël. Père Noël 2020. J'ai eu des pantoufles. J'ai eu celle-là d'ailleurs. J'ai eu ces pantoufles-là. Vous avez eu ça aussi? Pantalon. Oui, c'est pantalon, oui. T'as eu des cadeaux nuls à faire caca, je t'offrirai un cadeau. Parce que je suis gentille. Voilà. Vous allez m'offrir un cadeau? Oui, je peux. Non. Si, non. Si. Non. Je vous le dis direct, vous allez direct partir d'ici, sinon vous fera. Arrêtez de... Vous êtes vraiment l'homme parfait. Votre barbe blanche. Vous êtes l'homme parfait. Si vous me prenez comme femme, je vais vous dire ce que je vais faire pour vous. Je vais vous brosser votre barbe blanche tous les matins. Votre voix m'insupporte. Vous sentez bon. Vous arrêtez tout de suite. Vous avez mis quel parfum? J'arrête, je vous offre pas de cadeau. Je m'en fous. Voilà. Moi, je veux vous comme cadeau. Non, jamais. Une femme, vous avez un mari. Vous pouvez avoir deux femmes. Non. Si. J'ai pas envie. Si. J'ai pas envie. Moi, j'ai envie. Moi, non. Vous êtes le Papa Noël, vous êtes obligé de m'offrir ce que je veux. Non. Si. Je veux un enfant. Je veux vous. Si tu veux, je te trouve un Père Noël célibataire. Comment? Un Père Noël célibataire. Où ça? Dans le cul de Mère Noël, belle. Ah, putain, elle en a dans son cul, celle-là. Mais je t'ai dit que j'allais t'en trouver. Mais je sais pas, moi. Mais je veux un beau gosse. Hein. Le Père Noël, ils se ressemblent tous. Hein. À un moment donné, on a une barbe. Mais vous avez pas un frère, vous? Ah, si. Ah, ben voilà. Je le veux. Et ma soeur, je la donne à votre mari. Ah non, j'ai pas de mari. Tu veux un mari? Non. Oh, mon Dieu. Alors, comment vous avez fait pour les deux filles? Voilà, ça vous apprendra à parler comme ça. Bah, c'est ça. Alors donnez-moi votre barbe. Votre barbe? Oui, votre barbe. Donnez-moi vos cheveux. Non. Alors non. Allez, donnez-moi votre barbe. Donnez-moi vos cheveux. Aïe. Vous avez cassé quoi? Ils vont me fâcher, moi! Ils m'en foutent! Ils vont croire que c'est vous! Taisez-vous! Taisez-vous! Cassez-vous de là! Cassez-vous de là! Soit vous vous mariez avec moi, soit vous vous cassez de là! Bah, la question est répondue. Ah, vous voulez me vous voulez... Ah là là! Vous êtes malade? Mais oh! On voit les borgues. Vite. Cassez-vous, je veux pas de vos cadeaux, je vais me taper. Allez, cassez-vous. Vous voulez mon gant? Allez, cassez-vous. Je veux venir de moi. Cassez-vous. Je veux pas votre gant. Cassez-vous. C'est beau la déco. Franchement, vous direz à votre fille que la c'est moi qui l'ai faite, cette déco. Mais arrêtez de mentir. Ok. 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 Vous avez un souci. Vous me faites peur. Ouais. Bah, vous avez raison d'avoir peur de moi. Mais arrêtez! Allez! Je m'en vais pas. Je vais me transformer. Allez-y, transformation. Allez-y, vite, je vous ai dit. J'ai plus de chaussures. Oh, putain.
Tenez, moi je suis sûr. Vous voulez les bouffer? Non. C'est vous. Bouffez ma chaussure. C'est une menteuse. C'est vous le menteur. Déco de merde. Déco, c'est quoi ça? Déco de merde. Covid. Covid. Jusqu'à la maison. Et maman et Ramin sont rentrés en scooter. Ils... Oh, Diana, va ouvrir, s'il te plaît. Ok. Bonjour, je peux vous aider? Bonjour, Père Noël. Bonjour, ma petite Diana. Eva, il y a le Père Noël. Mais si, regarde. Bonjour, Eva. Comment tu vas? Vous êtes qui? Je suis le Père Noël, ma chérie. Ah non, vous êtes un voleur qui s'est déguisé. Mais non, je connais toute votre vie, allez-y. Ramenez-moi du lait et des biscuits, j'ai faim. D'accord. Plus vite que ça. D'accord. Je vais vous prouver que je suis le Père Noël. Voilà, ma chérie, mais ça, très bien. Il est chaud, j'espère. Très, très bien. Bravo, merci. Je vais vous prouver que je suis le Père Noël. Vous êtes le Père Noël. Je vais vous prouver que allez, je suis le Père Noël. Allez. Qu'est-ce que vous voulez là tout de suite? Un iPhone, allez. Allez, je vais vous ramener l'iPhone 12 ou l'iPhone 13. Hein, je sais pas encore, je connais pas tout ça. D'accord? Allez, un, deux. Par la force du Père Noël. Oui. Bah dis donc. Ah bah tiens, qui voilà. C'est caché dans ma barbe. Mais c'est un truc de ouf. Eh oui, je vais vous le donner. Je vous l'ai laissé là. Hop. Premier cadeau. Non, personne ne le touche. Bon. Est-ce que vous avez été sage? Oui. Non. Si. Non. Si. Si. Moi, un jour, j'ai eu un 9 sur 10. C'est bien. T'es nul. Attendez, je regarde. Par contre, je suis très forte en battre. Ah ouais? Oui. Dis-moi le calcul. Ok. 19 plus 20. 19 plus 30, 29. Non. 38? 39. Oui. T'es nul. Non, elle est pas nulle. Redites-lui un autre truc. 15 plus 15. 30. Je très bien. Bien. 18 plus 20. Hein? 18 plus 20. 18 plus 20. Oui. Ah, alors. 18 plus 20, 18, 38. 16 plus 20. 16 plus 20, 36.
Très bien. Et toi, Eva, est-ce que t'as été sage? Ah oui, toujours. Oh non. Oh si. Je t'ai surveillée de là-haut, tu sais. Ah si. Ah non, non, non. Ah si, si, si. Ah non, non, non. Ah si, si, si. Qui c'est qui a cassé son téléphone? Il est cassé parce que je marchais dessus, en fait. Bah oui. Donc c'est toi qui l'as cassé? Non, je l'ai pas cassé. D'accord. Il faudrait peut-être maigrir un peu. C'est vous qui dites ça? Oui, moi je suis très maigre. Oui. Bon, allez, passons aux choses sérieuses. Qu'est-ce que vous voulez pour Noël, les filles? Alors, Diana, deux points. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je veux un gros bébé chat avec... Mais attends. Mmh. Un chat vivant? Non, bah une peluche, bah, à votre avis. Mais un vous vivant. Avez déjà Maya. Un vivant. Tu me donnes Maya? Oui. Bon. Je prends Maya et je te ramène un chat, d'accord? Ah non, personne, j'ai dit personne, même pas le Père Noël, prend mon chat. Même pas touche, même pas regard. C'est à moi. Oh, tigresse. Barbu. Beethoven. Lunetto. Espèce de grosse guignol. Espèce de gros. Bon, un chat avec. Bah, tout à l'heure, tu m'as prêté tigresse, alors je me dis un tigre. Ah bah non, hein. Ah bah si, hein. Ah bah non. Ah bah si. Le tigre, il va me manger. Je m'en fiche. Déjà, comment ça se fait que vous avez l'accent du sud alors que vous habitez dans le pôle nord? Eh ben parce que je fais toute la France. Alors, quand je parle au sud-ouest, eh ben j'ai l'accent du sud. Ah oui, donc là, on n'est pas dans le sud. Hein. Eh ben... Oui. C'est le temps de s'adapter, là j'arrive de Marseille. Et tu non. veux du ping? Non. Tu veux du ping? Non. Demain tu voudras un ping? Toujours pas. Ouais. Bon Diana, tu choisis un beau cadeau? Non, un chat, un tigre. Non. Un chat, un tigre. Je ne suis pas la SPA. Est-ce qu'il y a marqué SPA ici? Oui. Non, il y a marqué Papa Noël, le meilleur du monde entier. Là, je vais l'écrire. Non, allez hop. Je voudrais une grosse boule de Noël avec un livre. D'accord. C'est très nul comme cadeau. Bon, bah alors je veux l'iPhone 13 Pro Max. Eh ben ça c'est bien. Bravo. Avec l'iPhone 12. On l'a déjà, il l'a ramené, tu vois pas ou pas? Eva, la petite grosse, elle veut quoi celle-là? Alors moi, je veux un frigo. Mais t'es déjà une grosse. J'ai envie d'avoir un frigo, t'en peux. Non, non, non. Hier, j'ai eu votre mamie. Elle m'a cassé la gueule, d'accord? Ah ouais? Oui. Et je lui ai cassé la gueule aussi. Ah ouais. Et elle m'a dit que tu voulais un frigo, mais ça va pas être possible, c'est trop gros. Du moins, un mini frigo. C'est trop gros. Bah un mini frigo mais il y a plein de trucs dedans comme je dis finalement je garde là. Et après... Mais c'est nul ça. Mais oh est-ce que je vous demande votre avis? Non mais c'est nul. Et un cadeau surprise. Non mais tu crois quoi? Tu crois que je vais m'amuser à faire ça avec tout le monde? Tu te prends pour qui toi? Je vais t'envoyer le stylo dans la gueule. Ce sera ton cadeau de Noël celle-là. D'accord? Alors tu te tais et tu me dis un cadeau sinon tu te casses. Voilà. Vous vous cassez déjà, vous êtes chez moi. Mais j'en ai rien à faire, ici c'est chez moi. Ici, c'est pas chez j'aime moi. Pierre. Eh ben, on attend pas Patrick. Eh. Qu'est-ce que vous dites? Bon, tu te dépêches. Oh là là, bah, des faux ongles, tiens. Ah bah non, moi, tu vas faire ta crâneuse avec tes faux ongles. Y a rien qui est bien, vous êtes en père de nul en fait. Bah si, dis-moi. Bah, dis-moi quoi? Un cadeau. Bah, tu veux que je dise quoi? Quelque chose. Un quelque chose. Tu veux que je te dise quoi? J'en sais rien, moi. Une bougie. Allez, une bougie. Eh ben non! Bah. Je rigolais. Un sapin de Noël. Tu veux foutre le feu à la baraque? Un sapin de avec ta bougie de merde. Un sapin de Noël. Un sapin de Noël. Mais t'en as déjà, hein, tête de bille. Bien sûr! Vous avez dit à Diana il y a marqué Apple ici, hein. Vous avez dit à Diana qu'elle avait un beau... que c'était une bonne idée. Eh, je vais vous voulez que j'ouvre mon ventre? C'est peut-être le magasin d'Apple, hein.
Qui c'est? C'est trop drôle. Et votre voisine, elle voudrait pas le dernier MacBook Pro par hasard? En plus, vraiment, en plus elle le veut vraiment. Eh ben j'en ai rien à faire, elle va avoir une claque dans la gueule si elle continue. Bon, allez, plus sérieusement là, aïe. Plus sérieusement là, allez, je vous écoute. Un livre. Oh, qu'est-ce qu'elle veut celle-là? Mais... T'en as pas assez des livres à l'école? Non. T'es là, tu écoutes rien. Des écouteurs. Des écouteurs, des... Ah non. Pourquoi? Parce qu'après, tu vas pas écouter tes parents. J'en ai marre. Des lunettes. Mais t'en as déjà, binoclarde, que tu es. Toi aussi, t'en as, qu'est-ce que tu veux? Eh ben oui, mais moi, j'en veux plus, hein. Une bague, un bisou. Oui. Mais... Que tu fasses genre t'es mariée, espèce de débile. Un collier. Un collier, oui. Une laisse tant que tu y es. Comme ça, tu te promènes dans la rue, hein. Un bracelet. Un bracelet de quoi? Un bracelet. Non. Ouais. Parce que les bracelets, c'est que à la prison, les bracelets. Les bracelets pour se fermer la main. Va en prison, t'en auras des beaux bracelets, t'inquiète pas, hein. Des gants parce qu'il fait froid. Non. Bah, pourquoi pas les gants? Pas des gants. Pourquoi? Parce que si tu vas voler quelque chose, il y aura pas tes traces de doigts. Waouh, trop intelligent. De toute façon, c'est bon, j'ai rien. Ah mais si! Un parfum. Ah oui! Parce que tu veux sentir bon auprès des garçons? Je vais t'en mettre une, tiens. Un gel douche. Parce que tu veux te laver tous les jours? Un shampoing. Tu veux te laver combien de fois par jour? 4? 10? 18? Et je vais t'en mettre une. Du chocolat. Ah oui! J'en ai marre. Bon ben, je veux rien. Non! Tu choisis ton cadeau. Mais j'ai dit tous les cadeaux du monde. Une barrette. Une barrette. Un chouchou. Un chouchou, pourquoi faire? Bah, pour m'attacher les cheveux. Non! T'en as déjà. Bah, j'ai tout alors. Bah, non! Parce qu'elle les coupe à chaque fois alors. Un chouchou incassable. Mais non, elle en a déjà, j'ai vu. Bah ok, bah j'ai rien d'autre alors. Ah si, tu choisis. Bah non, j'ai... Allez, réfléchis. Un beau cadeau. J'ai aucune idée. Qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Je fais le grand écart. Tu veux pas que je t'aide peut-être? Un coussin. Dieu t'a donné des jambes pour marcher, pas pour faire je sais pas quoi, la serpillière, hein. La serpillière, c'est avec une serpillière justement. Elle est un coussin. Et y en a pas assez des coussins là? Une peluche. C'est pas un peu débile toi? Une peluche. Une peluche pour quoi faire? T'as quel âge toi? Elle une peluche. Un tableau. Une peluche, Papa Noël. J'avais une peluche. J'ai 46 ans, Papa Noël. Pourquoi tu veux prendre une peluche, Eva? T'as déjà Pépito. En plus. Il est jaloux. En plus, elle a déjà un peu une peluche. Vas-y, j'avais dit quoi? Un tableau. Un tableau de quoi? De Marilyn Monroe comme ça? Oui. Des lunettes de soleil. Oui. Des lunettes de ski. Oui, parce que tu vas aller skier avec ta taille là? Bah oui. Non. Pourquoi? Parce que tu sais pas skier. Si, je sais skier. Non. Un jour elle est allée avec l'école. Voilà. Ouais, super, l'école, bravo, l'école. Vous deux là, je vais vous en mettre une. On a pas de cadeau. Attends, Eva. Papa Noël, les enfants d'habitude ils disent quoi? Eh ben ils disent des belles choses. Ils disent quoi par exemple? Je vais pas vous dire, vous allez pas copier les autres. Non, mais pour savoir. Pardon. Ils disent par exemple un câlin du Papa Noël. Ils disent ça. Ok, un câlin de la Maman Noël. Eh ben non. Un câlin du Papa Noël. T'es une copieuse, je vais t'en mettre une. Un bisou du Papa Noël. Non. Un chèque du Papa Noël. Tu veux que ça comme cadeau? Oui. Ben non, moi je te propose une tarte dans la gueule. Okay. Une tarte dans la gueule du Papa Noël. Non, de toi. De moi à toi? Non, de moi à toi. Oui? Oui, d'accord. Allez, c'est parti. Allez, c'est mon cadeau de Noël, comme ça vous allez. Okay. Vous êtes malade? Sortez de chez moi. Non. Sortez de chez moi. Oh! Et donnez-moi le stylo là. Vite, je vais écrire un truc. Bravo! Vous êtes vraiment pas sympa.
Allez, zéro cadeau pour Diana, zéro cadeau pour Eva. Ils ne sont pas du tout sympas. Allez. Non, c'est toi. On te ramène du lait et tout, et toi tu dis ça. Allez, va. Allez, c'est bon. Ouais, bah c'est bon. Vous... Tu prends même pas le lait, le gâteau. Ouais, bah je m'en fous. Il était pas bon. Ah bah nous, on allez, fait. Au revoir. Au revoir. Je vais revenir Noël, vous en mettre une oui, ce soir oui, dans oui, la oui. nuit. Vous allez voir quand je vais ramener ma mamie. Mais vous allez voir quand je vais ramener ma mamie. Allez. Allez, bisous. Il est malade, lui. Mamie, elle a bien fait de le frapper, là. Ouais. N'importe quoi. Qu'est-ce que t'as ? Tout le monde fait la fête dehors, et nous, on est enfermés ici. C'est pas juste. Je comprends, mais... On peut pas abandonner le fait d'être voleur. Nous, on est des vrais voleurs. On va rester des vrais voleurs. Mais... Ouais, on est des voleurs et tu sais quoi? Je vais te donner une bonne nouvelle. Et tu sais quoi? J'ai la solution. Quoi, ta solution? Ah ouais, tu sais quoi? Non. Eh bien, j'ai... Attends. Attends. Oui. Mais bon, c'est même pas fait. T'as volé la clé. Oui, ils vont te tuer. Eh oui, j'ai ils vont la te tuer. Clé. La clé du bonheur, la clé de la sortie. Cette clé est précieuse. Précieuse. Nous allons tout faire. Alors on va faire quoi? C'est quoi ton plan? Dis-moi tout. Ah, tu veux que je te dise mon plan? Oui. Alors mon plan, écoute-moi bien. Oui. On va s'échapper. Hein? Ensuite, on va s'échapper d'ici. D'accord. Tais-toi. T'inquiète pas, personne ne nous entend. En sortant d'ici, on va les voler direct. Et tu sais qui est-ce qu'on va voler? Non. On va voler les cadeaux du Père Noël. Ouais, la danse de la joie. Danse de la joie. Danse de la joie. Yeah, yeah. Bex, bex. Ok. Ok, est-ce que t'es prête? Non, pas oui. J'espère que t'es prête. Oui. Et arrête de faire la guignole. La guignole, c'est quoi la guitare? Je vais t'en mettre une. Deux, trois. Cha-cha-cha, cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Ok, déjà, tu vas pas faire de bruit en marchant. En marchant? Non. Non? Mais tu vas pas faire de bruit en marchant. Fais voir, essaye. Ah bah non, ah bah non. Essaye de marcher sans faire de bruit. Attention.
Je lance la patte en 3, 2, 1, vas-y. Cadeau qui coûte beaucoup d'argent. J'ai trouvé quelque chose. Regarde. On dirait nous deux. Ah oui. Ça fait moi et ça fait toi. Ça fait voilà. Waouh. Oh. Des cadeaux. Waouh. Je vous
C'est quoi ce bocal? C'est quoi ce bocal? Qui est là? Qui est là? Enfin, rien là. Je comprends pas qui est là. Je vois rien avec mon ventre là. Qui est là? Qui est là? C'est quoi ces histoires? Je suis fou. D'avoir des cadeaux et vous leur volez les cadeaux. Nous aussi on rêve d'avoir des cadeaux. Eh ben vous en aurez. Non, on n'en aura pas. Prenez ce que vous voulez dedans. Non. Quoi? On veut tout. Qu'est-ce que tu vas faire, ma on veut tout. Qu'est-ce que tu vas faire du haut de tes 1m12? Diana, donne-moi les cadeaux. Donne-moi les cadeaux. Prends les cadeaux. Je m'occupe du Père Noël. Ça roule pas. Vous m'avez enlevé mes chaussettes. Non. Si, je les ai remises. Yes. Yes. J'arrive, t'inquiète pas, ça va live. Vous êtes où? Lâchez mon collègue. Vous êtes pas un vieil homme. Il va tomber, il va mourir vite. Vous êtes contre un vieil homme. De toute façon, dans le sac que vous avez pris, il n'y a pas de cadeau. Si, j'ai vérifié. Non, mais il n'y en a pas, c'est des boîtes vides. Allez-y. Ils ont volé mes cadeaux. Ils ont volé mes cadeaux à moi. À moi, le Père Noël. Moi, le Père Noël. Si c'est que j'ai pas d'argent, Maman Noël, elle va me fâcher. Je sais pas quoi faire. Faut que je réfléchisse. Il n'y a pas de police en pôle Nord. Hein. Qu'est-ce que je vais faire? Trouvez une solution dans les commentaires.